Il est 8h comme chaque matin, Nestor apprête son véhicule pour le transport des personnes et des biens sur le tronçon Université derrière l'école normale, long d'à peine 1 km. Comme il est dit, à chaque jour suffit sa peine. Entre les humeurs des passagers et le mauvais état de la route, le tout fait l'effet d'une bombe dans sa tête. Nous embarquons avec lui pour toucher du doigt, disons, son calvaire. Après 300 mètres de bitume, l'aventure commence. Il faut qu'on arrive d'abord à cet endroit-là. Vous allez voir, vous allez juger de vous-même de l'état de la route. Parce que vaut mieux voir d'abord la route avant de s'exprimer. Donc nous traversons des périodes difficiles en ce qui concerne l'entretien de nos véhicules. Donc le véhicule lui-même par rapport à l'état de la route nous bouffe pratiquement 80% de ce que le véhicule produit. Donc c'est ce que nous vivons au quotidien. Tous les jours que Dieu fait, c'est comme ça. Juste le petit tronçon là, nous traversons. À peu près combien de kilomètres de l'entrée à l'épicerie? Bon, c'est à peine 1 km. Hein. À peine 1 km. Ouais. Vous avez quand même des élus locaux dans votre zone. Est-ce qu'ils se sont déjà prononcés sur la question? Bon, à l'époque de 1 qui avait dit et qui l'avait fait. Ça remonte déjà. Et il a mis un panneau, j'ai dit, j'ai fait. Bon, peut-être que je le tais le nom par discrétion. À notre arrivée au lieu dit épicerie, nous avons fait la rencontre de Stéphane. Tout comme Nestor, Stéphane s'est dit également oublié. Mais la route a été toujours comme ça, là. On est abandonné. C'est comme si on ne vit pas dans la même ville que les autres. Vous voyez vous-même, vous faites le constat. Nous, maman, on essaie de mettre des cailloux fermés avec les choses. Mais toujours, fait que l'État nous vient à l'aide. Donc on appelle l'aide à l'État. Nous prions que le ministère du Président de la République fasse aussi un tour chez nous pour venir constater lui-même l'État auquel nous vivons ici. Ce cri d'alarme lancé par les clans de main de cette partie de la capitale gabonaise fait suite à une tournée inopinée du numéro 1 gabonais le 4 novembre dernier sur la question. Sans nul doute, qui trouvera un écho favorable. À vous.